Yo tout le monde, c'est Pixel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Skyrim, je pense. Sixième épisode. Ouais, je pense que c'est le sixième épisode, en tout cas. Bon, vous allez sûrement trouver ça bizarre. Parce que comme, genre, c'est ces épisodes qui viennent d'apparaître sur ma chaîne YouTube. De même. Oh merde, non! Dis-moi pas que... Attends, wow, je t'ai rendu super loin là. Oh, ça doit pas sauvegarder, merde. J'étais rendu super loin. Oh. Où est-ce que j'ai d'argent? C'est ce que je pensais. Oh. Attends, non, pourquoi est-ce qu'il y a toutes les flèches par contre? Oh non, c'est correct! Ah, j'ai peur! Mais non, ma mission! Non. Ah oui, vu que j'ai joué un peu hors ligne, maintenant j'ai un cheval. Oui. Bon, la mission qu'on va aller faire, c'est la plus proche. La plus proche, elle est... On va essayer là-bas, hein. Celle-là là-bas. Oh, oui. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez la raison. Oh, dans une seconde. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Dites-moi ce qu'il vous faut. Par Ismir, si c'est simple et solide, je peux le forger. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame? Le fer ou l'acier, voilà ce qu'il vous faut. La fantaisie des métaux elfiques, laissons ça aux elfes. Pardonnez-moi. Je peux vous forger un marteau de guerre capable d'écraser le crâne d'un.
Dites-moi ce qu'il vous faut. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Faut toujours bien s'équiper, hein. Toujours. Ouais. On te vit, il dit ouais. Ça, je vais leur vendre. Cherche de nouvelles, ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Quoi? Ok, elle me le vend 32, 19, 8. Je vais voir le marchand, je suis sûr qu'il y a moins d'argent. Oh merde, je suis trop lourd. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Ouais, ta gueule. Mais vous, vous avez l'air aimable. Ah ouais, ben je suis pas un étranger, je suis venu chez toi puis je t'ai pris plein de choses. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place. Merci. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. Ok. Ah oui, puis en jouant hors ligne, ben en fait, j'ai amené un géant ici. Puis ils l'ont tué. Là,
cause de ça, ben, il y a un garde qui est mort. Là. C'est beau, hein. Wow. Elgen, détruite par un dragon. Dur à croire. Ok. Ça, normalement, ça sert à enlever ça. Et voilà. Ah oui, j'avais eu une mission avec lui. C'était qu'il fallait que j'aille chercher une pierre de dragon pour pouvoir aller tuer un dragon ensuite. Parce que, bah, en fait, je viens de vous spoiler, je suis désolé. Tout va bien ? Oh. La terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Elle doit dater... et de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par... Oh. La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes et nous remercions notre camarade de la... Venez à Fort Dragon et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers. Vous savez, si vous en avez les capacités... Vous devriez rejoindre l'Académie de Fort Divers. Envoyez-moi un exemplaire. Farangar. Vous déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Occupez-vous de vos oignons. Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Ainsi, Rillette me dit que vous venez de la tour de guet ouest. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé, au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de guet? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Je suis le chambellan du Jarl Baldruf. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Yes. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je
devrais vous accompagner. J'aimerais beaucoup voir... Mais en fait, ça me fait du beau pour rien. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les vous deux. Devez vous en douter, le Jarl est très occupé. De la part d'Adrian? Ah, il doit s'agir de l'arme pour le Jarl. Pauvre fille. Elle veut toujours faire ses preuves. Je la présenterai à Balgruuf quand il sera de meilleure humeur. Merci. Je vous en prie, acceptez ces quelques pièces pour service rendu. Bon, là, j'ai beaucoup plus de poids, c'est bien. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Oh non, là, il y a mon cheval qui va crever. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, là, mais les chevals, quand tu te fais attaquer, ben, ils vont aller attaquer le monstre. Fait que c'est à cause du dragon, ben, en fait, ton dragon, il crève. Pas le dragon, là, mais le cheval. Je vous retrouverai à la tour de guet dès que le reste des hommes se sera rassemblé. Puissent ces grises toisons finir dans l'oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages. Les gardes de Fort Dragon racontent que vous avez aidé le Jarl. Au nom de Blanche Rive, merci. Ok. Là, on va aller tuer un dragon. Yes. Mais je vais pas prendre mon cheval parce qu'il va crever comme un con. Boum bidi boum bidi boum boum. Attends, je pense qu'on peut le voir d'ici. Venez discuter avec une vieille femme, faire votre bonne action de la journée. Où le gars là? Ouais, il est là. Vous avez besoin d'un cheval? Vous pourriez si j'en avais. J'ai vendu le dernier à quelqu'un qui vous ressemblait à s'y méprendre. Ah ah. Bon, ben, je suis dégelé mon cheval, tu vas crever. Ils sont là. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici.
Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels secours. Nous devons savoir à quoi nous attendons. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Ah, il est là ! Non, en vrai, c'est parce que je suis pas censé être dans la tour. Ici ! Magie, guérison. Je suis en feu, merde. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon.
Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Eh bien, vous pouvez crier maintenant. Vous ne le pouviez pas auparavant, si? Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Des enfants de dragon? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines, comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilet? Vous êtes terriblement silencieux. Allons, Irilet, dites-nous. Croyez-vous à cette histoire d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de parasser sur le sujet dont vous ignorez tout. Nous avons un... Ok. Et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Luskarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Fous ! Oh, bien sacré ! Ça, c'est un cri. Comme ceux des Grisbarbes sur leur montagne. Vous avez terrassé ce dragon. Enfant de dragon ou non, cela me suffit. Oh, ça va être lent. Nous avons appris à ce dragon qu'il ne fallait pas se frotter à Blancherie, n'est-ce pas? Oh, allez, c'est long. Allez, juste le côté là. Mon cheval est toujours vivant. Ouh. Oh. Bon, on va aller vendre des choses.
What? Mon dieu, regardez, que Clara Blanc, chose est héros, mais genre mal écrit. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Paris Smir, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je fiche. Il vous faut quelque chose ? Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance. Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, à Blanche Rive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Nous recherchons une fuyarde, une rouge garde venant de l'enclume. Elle se cache peut-être dans cette ville. Elle ne peut pas nous échapper indéfiniment. Il se raconte des choses parmi les gardes. Que vous seriez enfant de dragon. Mais assurément, ce n'est pas possible. Sombrage, impérial, dragon. Du moment que je peux en tuer, je suis pas difficile. Une épée en acier, hein? C'est un bon choix pour frapper des stocks ou de taille. Et je suis proche. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. Il l'aurait mis en pièces d'un seul cri. Bon. Éloignez-vous de ça. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. C'est pas vraiment qu'il y a beaucoup d'argent à lui. Tout est à vendre, absolument tout. Des babioles, des petites choses. Oh, il n'y a même pas de l'argent. Oh. Je suis en train de la ruiner.
Revenez donc. Quoi, j'ai encore trop lourd. Mais what? Oh oui, je vais aller pêcher la maison. Ok, j'ai peut-être une idée. Objet. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr. Vous ne devriez pas laisser traîner vos armes. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est bien clair? Veillez à ce que ça ne se reproduise pas. Oh, il m'a fallu des années. Mais j'ai fini par réussir ma vie. Je possède la ferme de Sillonfray, voyez-vous? C'est un commerce très prospère. Il vous faut une lame. Allez voir Adrian à la forge. Vous cherchez du matériel? Allez voir Bellator à son magasin. Le petit homme est sordide. Mais il a du choix. On a tué un dragon, on peut recommencer. Avec votre aide. Ok. Pardon, j'étais allé me moucher. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Je savais que je pouvais compter sur Irilet, mais il doit y avoir autre chose. Alors c'est vrai, les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Ok. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Les grises barbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherie? Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même. Je vous demandais de venir au haut Rodgar. En nom de Jarl, cela ne s'est pas produit. Vous nomme Tan de Blancherie. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Scarab pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire.
Ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Oui. Les grises barbes en ont été prévenus. Oui. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrothgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises barbes. C'est un immense honneur. Je vous en... Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. C'est sans importance. Allez au Hrothgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. De quoi avez-vous besoin? Bon, très bien. C'est ça qui m'a donné? Mon père dit que je suis trop petit pour manier l'épée. Alors je m'entraîne avec mes poings. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Je vous suis. Là. Je suis à votre service. Bon, je vais vous remettre des... What? Oh, that's the case. Non, pas ça. Ça. Ça sent les plus magiques. Alors allons-y. Oh, yes. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convenir. Parfois, la vie de soldat me manque, mais quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que j'ai fait le bon choix. Très bien. Évitez de vous attirer des ennuis.
J'aimerais bien m'acheter une maison pour pouvoir mettre mes choses. Je sais plus à qui ma petite s'adresse et... Je vous écoute attentivement. Ça ne vous dérange pas, j'ai une ville à garder. Des ennuis ? Mon cousin est parti affronter les dragons et moi, je me retrouve à faire le planton. Les divins vous bénissent. Puisse le sol trembler sur votre passage. Parfait. Une maison est actuellement disponible. Fort bien. Quand vous aurez les fonds nécessaires, faites-le-moi savoir. 5000 pièces, pourquoi ? Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. 6487, waouh. Oh, gars. C'est parce qu'en fait, j'ai vu que j'ai déjà joué. Je suis sur vos talons. En fait... Je suis à votre service. Elle va utiliser les armes, puis je veux pas qu'elle utilise... Genre, celle-là, utilise la 19, mais je veux pas qu'elle utilise mes bâtons magiques. Tu vois, elle est belle, là. Non, surtout pas ça. Je prends ça. Non, ça, je la garde. Oui, là, je peux le mettre, tiens. Ah. Alors allons-y. Ah, ok. Je serais bien plus réchauffé et ça... Bon, je pense qu'on va se laisser là, hein. Ouais, on va se laisser là, puis on se retrouve dans la suite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Ciao, c'était Pixel au hasard. Yes.